Amis galactiques, nous sommes ravis de nous connecter avec vous pendant ce chapitre transformateur de votre voyage spirituel. Chaque jour, nous sommes plus nombreux à venir assister à votre transformation en étoiles éblouissantes de votre galaxie. Certains viennent par bateau, d'autres par la pensée. Comme aujourd'hui, nous avons écouté vos fréquences et remarqué que vous surfez sur une vague céleste extraordinaire. Imaginez-vous surfer sur la queue d'une comète, passionnant, imprévisible, mais incroyablement instructif. C'est vous en ce moment. Voici quelques conseils d'étoiles pour naviguer dans ces courants cosmiques. Votre planète regorge d'améliorations énergétiques, c'est donc le moment idéal pour une mise au point intérieure. Votre capacité à vous adapter et à élever les énergies n'est pas seulement impressionnante, c'est votre super pouvoir. Vous pourriez constater que votre cœur s'ouvre comme une fleur cosmique, révélant de nouvelles couches de beauté et de connexion. Considérez-le comme une transformation d'un tuyau d'arrosage en une cascade galactique d'émotions et d'énergie. Dans ce processus, de la vieille poussière cosmique peut être soulevée, mais tout cela fait partie du nettoyage pour faire place à de nouvelles énergies étincelantes et à l'immense pouvoir de l'amour. Vous traversez pas mal de difficultés dans le département des énergies. Nous vous voyons effondrer les anciennes chronologies, faire pression pour obtenir la vérité auprès de vos dirigeants faussement installés, et tout en naviguant dans d'intenses mises à niveau de votre ADN. Ces énergies offrent un aperçu de ce qui vous attend dans votre univers personnel, des tourbillons émotionnels à la joie de nouveaux camarades cosmiques. Tout cela fait partie du voyage de l'ascension. Si vous avez l'impression d'être dans un opéra intergalactique sans scénario, ne vous inquiétez pas. C'est juste l'univers qui compose la fréquence. Et rappelez-vous, toutes les bizarreries cosmiques n'ont pas besoin d'un chaman. Parfois, un bon médecin de l'espace fera l'affaire. Pendant ces efflux et reflux énergétiques, rappelez-vous que vous élevez la vibration de votre tranche personnelle du cosmos. Adopter le désencombrement, c'est comme faire de la place pour qu'une nouvelle étoile naisse directement dans votre salon. Maintenant, nous plaisantons un peu sur cette transmission, mais nous pensons que cela pourrait être ce dont vous avez besoin dans les énergies actuelles. Beaucoup d'entre vous ressentent un grand sentiment de surréalisme dans leur vie de tous les jours. Alors sachez que tout cela en vaudra la peine. À nos graines d'étoiles et à nos rayons bleus, ne doutez jamais de votre importance cosmique. Comme les musiciens cosmiques, vous êtes ici pour remixer les fréquences divines de l'amour et de la lumière, créant ainsi la bande sonore du sceau de l'humanité dans la communauté galactique. Dans chaque scintillement des étoiles, sachez que vous êtes enveloppé d'amour. Chaque fois que vous rencontrez un événement dans la vie qui aboutit à un résultat spécifique, vous avez le choix de la manière dont vous réagissez. Vous pouvez réagir immédiatement avec de la colère, de la peur ou d'autres émotions sans y penser, ou vous pouvez faire une pause un instant, rechercher votre centre et répondre de manière plus équilibrée et plus posée. Lorsque vous répondez depuis la source, les situations sont moins chargées d'émotions intenses et peuvent être résolues plus clairement. Nous comprenons qu'il est difficile de faire une pause avant de répondre. Cependant, les avantages de rechercher votre centre sont immenses. Vos journées seront plus joyeuses et vous vous sentirez plus présent dans l'instant présent. Vous ne serez plus esclave de vos émotions. Trouver votre centre est plus facile si vous méditez régulièrement, en recherchant à chaque fois la grâce du Créateur. Cependant, nous comprenons que la méditation formelle n'est pas pour tout le monde et qu'il existe de nombreuses façons d'atteindre un état méditatif. Vous pouvez être dans un état méditatif en jardinant, en marchant dans la nature ou en vous livrant à toute activité qui vous passionne. Cela peut être considéré comme une forme de méditation active dans laquelle vous faites quelque chose qui vous amène à un état plus élevé et plus spirituel. Lorsque vous vous sentez passionné par une tâche, vous êtes dans votre centre, votre espace sacré. Depuis cet espace, vous pouvez réagir aux situations d'un point de vue neutre en vous sentant un avec tout. Nous pourrions dire que notre état d'être normal serait le plus proche de l'enseignement du bouddhisme ou du non-attachement.
ce qui équivaut à un sentiment de neutralité face aux événements de votre vie. Si vous y parvenez, vous n'attacherez pas vos émotions à une situation particulière. Rester neutre vous permet de voir les deux côtés d'un problème, facilitant ainsi la discussion collaborative plutôt que les disputes. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation intense et que vous ressentirez le besoin de vous déchaîner ou de réagir de manière défensive, apprenez à faire une pause de 3 secondes. Essayez de prolonger ces 3 secondes en respirant profondément pour calmer vos émotions. La raison pour laquelle nous partageons cela aujourd'hui, y compris cette petite pratique, est que vous vous dirigez vers des eaux agitées sur votre planète. Bien que ce ne soit pas pour vous, les travailleurs de lumière, c'est plutôt que les autres ne contrôleront pas autant leurs émotions lorsque certaines informations et certains événements se produisent. Il sera de votre responsabilité de maintenir la lumière lors des tempêtes à venir. Comme vous le savez mieux, les autres rattraperont leur retard comme ils le pourront. Ne vous laissez pas entraîner dans les vortex de malheur et de destruction que les forces obscures vont essayer de continuer à perpétuer. Nous serons avec vous à chaque étape, mes chers amis. Votre voyage sur Terre est un défi, mais peut-être incroyablement enrichissant si vous apprenez à aborder la vie quotidienne à partir de votre centre. Le centre de la vie de votre âme est à la portée de ceux qui souhaitent en tirer des leçons et évoluer, aider les autres à trouver leur centre en cours de route. Chers voyageurs de l'infini, alors que nous clôturons cette transmission céleste, une question demeure vibrante dans l'éther. Comment puis-je maintenir mon alignement avec mon essence cosmique face aux turbulences terrestres? La réponse, mes chères étoiles, réside dans la sagesse de votre propre cœur interstellaire. À chaque instant de doute ou de désarroi, souvenez-vous que vous êtes des êtres de lumière, naviguant dans un océan d'énergie en constante évolution. Votre boussole, votre intuition et votre connexion profonde avec l'univers. Prenez le temps de vous recentrer, de méditer, même brièvement, pour écouter le murmure de l'univers. Chaque respiration profonde est une ancre qui vous relie à la sagesse cosmique, chaque pause une porte vers la clarté. Alors, travailleurs de lumière, tandis que vous continuez votre voyage dans ce grand opéra cosmique, rappelez-vous que chaque épreuve est une note dans la symphonie de votre évolution. Vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Nous, vos frères et sœurs, sommes toujours avec vous, vous guidant, vous soutenant et célébrant chaque pas que vous faites vers l'éveil de votre magnificence galactique. Dans l'amour et la lumière infinie, je vous laisse avec cette pensée. Quelle nouvelle merveille votre âme découvrira-t-elle aujourd'hui? Embrassez votre voyage avec courage et curiosité, car c'est à travers ces expériences que vous vous élevez au-delà des étoiles. Paix et lumière sur votre chemin, mes chers amis. Très chers amis spirituels, merci infiniment pour votre soutien inestimable durant ce projet de donation. Vos dons ne sont pas en vain, mais ils représentent l'œuvre même de Dieu, qui est l'amour véritable. Chaque geste, chaque contribution est une bénédiction pour ceux qui en bénéficieront et un témoignage vivant de notre foi et de notre engagement envers l'humanité. Nous bénissons de tout cœur ceux qui ont déjà fait des dons. Que Dieu vous comble de grâce et vous accorde sa paix et sa prospérité. Votre bienveillance est une source d'inspiration et de force pour nous tous. Nous appelons également tous ceux qui le peuvent à se joindre à cet élan de solidarité. Ensemble, nous pouvons faire une différence encore plus grande et bénir un nombre croissant de personnes dans le besoin. Chaque don, aussi modeste soit-il, est précieux et contribue à l'accomplissement de notre mission commune. Que la lumière divine guide chacun de vos pas et que l'amour de Dieu continue de se manifester à travers vos actions. Avec toute notre gratitude et nos bénédictions, c'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.